Hey tout le monde, c'est NTH, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode, donc l'épisode de 13, c'est ça, l'épisode 13 de Celeste Place Transport Fever. Alors, la dernière fois, on se souvient qu'on a. Je suis en terraforme vite fait. On a terminé cette ligne donc, de Lille à Cagnes avec nos TER V200, donc les stades Lorkis. Et donc, on avait commencé à s'attaquer à notre P de bouffe ici, avec notre voie qui passait en pleine ville. Hein, histoire d'embêter un peu le peuple, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc là on va s'attaquer à notre petite route de montagne, parce qu'on doit aller chercher le blé qui se situe ici. Et en fait, non, je pense qu'on va pas vraiment se compliquer la vie. On va peut-être monter un petit peu. Non, pas trop. Par là, là, hop. Virage, on va monter encore un chouille. Hop, là on va se mettre droit. Et là non, j'ai pas envie de me faire un pont. Non, un truc juste quand même. On va commencer à redescendre. Hop. On a un truc pas trop mal par là, là. Comme ça ils passeront pas à fond les bourrins là. Hop. Puis là je pense qu'on peut suivre le flanc de montagne. Ouais. Hop, avec un petit virage par ici. Et ici là. Ouais, ça va descendre un petit peu tout seul en soi, mais. Voilà. Et là un truc pas trop brut ici. Bon, on a une autre petite route qui est assez satisfaisante. Hop, un coup de terraforming. Nickel. Donc on va se mettre notre truc là directement au bout. Comme ça on n'est pas sur les champs. Voilà. Comme ça on n'est pas sur les champs. Et là, on se met l'autre juste ici. Tac! Parfait, pouf! Ok. Donc, on va juste moderniser cette partie de la route là, parce qu'il y a beaucoup de trafic et je pense que si on rajoute des camions, ça va vraiment être le bazar. Pour pas dire un autre mot. Hop. Voilà, jusqu'en ville. Nickel. Nous, si on fait ça ici aussi là. Est-ce que le PN devient dégueulasse? Non, ça passe, d'accord. Ok, bon c'est bon, on a modernisé notre petit coin ici là. Donc qu'est-ce qui va pas là? Ah! Ah! je le savais que c'était pas assez long. Alors je sais pas depuis combien de temps c'est bloqué. Je sais pas hein, mais c'est bloqué en tout cas. Ah oh, putain merde. Pardon. Pour ce langage. On va supprimer ça, parce que du coup je vois pas ce que je fais. Voilà. Non, sans caténaire du coup. Merci Boris. Oh putain, merde, mais non. Ah là là là. Et hop, comme ça. Allez. Je pense que ça doit faire pas mal de temps que c'est bloqué quand même. Ah, bah y'a plus de bus hein. Je tiens à dire qu'il y a plus de bus. Au cas où. Si les gens n'étaient pas au courant. Je savais que ça foutrait le bordel quelque part. Ça me paraissait évident en plus. Les gens ils doivent être contents, ils sont tous bloqués. Ah là 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 là. My bad. Bon bah. C'est bon là, je pense qu'on est assez long. C'est... Mais les personnes qu'il y a là, 368 personnes, je ne peux pas prendre tout le monde, les gens. Je ne peux pas.
D'accord. Bah, il a pris un maximum de personnes. Il a pris ce qu'il pouvait. Quoi encore? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est juste entre Cergy et Harfleur et Mulhouse et Cergy. Entre Compiègne et Harfleur. Il y a où le problème? Il leur manque une route. On va leur faire une route, ils vont être contents. Ah, bah là, on aura peut-être une vraie route de montagne du coup. Et non. C'est ça, là. Voilà, ils sont contents, ils ont une petite route de montagne. Maintenant, ils arrêtent d'embêter les gens. Quoi encore? Mulhouse, Cergy. Emmène-moi à Mulhouse. Je vois pas le problème. Oh, allez, je vais vous améliorer la route, peut-être. Vous serez contents comme ça. Ah là, bah oui, y a plus d'avertissement d'un coup là. On vous améliore la route, et puis tout va bien. Hein. Bah ouais. Bien évidemment. Bon, on en était par ici là, quand même. Merde, je suis perdu. Là, voilà. Ok. Donc, on va créer une ligne. Donc, camion, blé. On est où? On est à Cagnes. Ok. Là aussi, il va falloir se mettre un bus. Donc, on va se mettre un dépôt ici, du coup. Tac, 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 tac. Pouf. Voilà. Prendre des camions. Alors pour le blé, je pense que ça prend le blé. Ça prend 76 de blé. Sinon on a ceux-là qui prennent que 38. Ok, donc on va s'en prendre 8. Parce qu'il va vraiment falloir du blé. Hein. C'est camion, blé, cagne. Allez go. Allez les gars. Là ça commence déjà à produire, d'accord. Et là faut qu'on se crée notre ligne entre ici et là. Comment ça, ça veut pas? Comment ça veut pas? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées, il va falloir m'expliquer le problème. Hein. Mets-moi ça en rouge, s'il te plaît, parce que je vois que dalle. Mais non, mais là tu mets une TJD, c'est tout ça le problème, c'est tout. Mais mon dieu. Donc on est sur le train. Nourriture. Provins. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, les camions, ils sont partis. Là, on va juste mettre un peu de... un coup de terraforming par là. Voilà. Bon, on a préparé ça. Et maintenant, il va peut-être falloir envoyer un train. J'aurais peut-être dû faire un EP un peu plus conséquent. Avec Caténaire, ouais. J'aurais dû penser dès le début. Voilà, j'ai tiré un truc comme ça. En soi, là, c'est un peu mieux. Voilà. Et là, hop. Bumper, non, concrète. Paf. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Est-ce que on ferait pas un deuxième comment? Deuxième truc de bouffe là. Est-ce qu'on en ferait pas venir un deuxième? Ok, ils sont vides, d'accord. Donc il n'y en a aucun qui a eu l'idée d'aller là-bas en premier. Pff, chapeau, hein. Chapeau bas. Bon, on va lancer notre train, comme ça il va quémander, et puis ça devrait marcher. J'ai installé des nouvelles locks aussi. Où sont-elles? Voilà,
Allez, classe 92. Les classes 92. Louis Armand, Charles Darwin. Je mettrais bien les AWS, c'est vrai. Allez, on va mettre Victor Hugo. Et The Institute of Logistics and Trans... Non, on va mettre une autre. On va mettre Louis Armand. Allez, voilà. Un UM, et après, on veut transporter de la bouffe, c'est ça? Les grands comme ça, ou les petits comme ça. Moi, je prendrais bien ça. On a déjà 240 mètres. Voilà. On est sur le train. Nourriture, faut que je le renomme, parce que j'ai pas mis fret. Ok. Train. Fret. Voilà. Ça a de la gueule. Ça produit un peu là-bas, quoi. Il y a rien qui vient là. Ah, c'est un axe principal en plus, ça y a du monde. Hein. Bah, on va peut-être l'agrandir tout de suite, je pense. On va faire en sorte là, voilà. Comme ça, je sais pas où ça va là. Voilà. Comme ça, c'est un axe principal. Ça mérite du terraforming du coup. Ok. Attends, on va faire un tour avec, avec Marie Leroux sur cette petite route. Ouais, comme ça ils passent pas vite. C'est juste pour les embêter. Ça c'est cool d'embêter les gens. C'est génial. Comme ça, ça roule pas trop vite. Ouais, c'est bien. Elle est sympa cette petite route. Très sympa. Bon, bah on n'est pas trop mal pour l'instant. Que. Bon, là ça prend, j'espère. Hein. Ça a intérêt de prendre. Ok. Transport 0. Enfin, on en prend. Hein. Ça devrait augmenter, je pense. Notre train de fret, il est parti devant, c'est ça. On roule quand même à 140. Là, on passe à 120 en gare, je suppose. Ok. Non, bah, c'est pas mal. Puis en plus, on a notre petit embranchement fret à Provins. Et en plus, je crois... non, c'est Périgueux. Annulez tout, annulez tout. Train fret Périgueux. What the fuck? Voilà. Moi ouais, je pense qu'un train ce sera suffisant. Parce que là le temps que ça arrive tous les camions sont au même endroit quoi. Tiens toi fais demi-tour là, parce que sinon vous êtes tous trop proches les uns des autres. Toi aussi tu fais demi-tour. Voilà. Ok. Ouais, comme ça, ça va reprendre. Donc on a lancé notre petite fabrication de pain pour Périgueux. C'est pas mal. Et après, il nous faudrait de la brique. Ouais, mais il y a ça en brique. Il y a quoi d'autre en brique autour? Le problème, c'est que là, il nous faut de la pierre. Et la pierre, bah, y en a pas quoi. Si là, c'est loin quand même. Mais c'est le plus près qu'on est. Ok. C'est pas terrible, terrible quand même. Ouais. Ouais,
Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Sinon, on pourrait livrer du pétrole à Provins. En soi, pourquoi pas. Ok, là ça produit du pain. Ok, bon, c'est parti. Donc du coup, peut-être du pétrole à Provins. À moins qu'on puisse changer ça et qu'on puisse faire du pétrole ici aussi. Éditeur. Personne n'a rien vu. C'est parfait ça, dis donc, non, n'est-ce pas? Ah ouais. Là du coup, il y a un truc à jouer, c'est que tout ça, ça va venir là par camion. Ça, ça va repartir là en camion encore. Et à la limite, il y a même ce puits qu'on peut envoyer. Franchement, en soi, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va se faire ça. On va refaire un peu de fret. Bon, on va faire notre deuxième ligne de fret pour Périgueux là. On va se refaire une petite route là. Ça, c'est vachement pratique quand même. Pour se faire des routes droites, c'est vachement bien fait quand même. C'est bien pensé. Un fret. 240 mètres encore, 240 mètres. On peut en mettre un coup sans que ça se... Oh, attendez. Voilà, là c'est bien droit, nickel. Ensuite, on prolonge la voie jusque... Non, en voie droite, on peut le faire comme ça. Hein. Ouais, un truc assez long quand même. Tac. On va s'en remettre un. Et hop. On va réduire un peu tout ce qu'il y a par ici là. Bon, voilà une petite cuvette on a là-bas, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai peut-être un peu abusé sur la taille là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tracer les voies au pire. Hop. On a qu'à 100 mètres 3. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal, je pense. Bon, on a une grosse descente là, par contre. On va se mettre ça droit. Ok. C'est légèrement le bordel en sortie de gare. Ouais, non, on va refaire ça. Ça me paraît mieux quand même là. Hop, tac, tac, et tac. Directement repartir par là-bas. Et je l'aurais bien fait en diesel pour prendre celui-là, en fait. En y repensant. Je vais le mettre en diesel. Allez hop. C'est validé. Ça part en diesel. Hop. Et là, je crois qu'il faut faire ça. Là, c'est ça, hein. Diesel. Ok. On va retourner dans nos rails. Ok. Ce qu'il faudrait faire, ce serait... Non. Arriver sur le côté, là. Là, on reprend la caténaire. On se met à 60. On le tire jusque là. On peut pas, d'accord. Là, on peut. Là, on fait une TJD. En plus, on a pas encore l'annonce, là. On va se mettre un carré ici. On va carrément se mettre un autre signal ici. Hein. On va en rajouter un. Histoire d'un petit peu plus fluidifier le trafic, on va dire. Hop, conservé. On va s'en remettre un bout en caténaire. Voilà. Tac.
carré ici. En sens unique. Et là, il me faut un carré du coup en montée aussi. Ok. En sens unique aussi. Parfait. Donc, est-ce que notre train est passé? Je pense qu'il est passé. Il arrive déjà là-bas. Avec 77 de pain, c'est pas mal. Ça commence à venir. On a du pain là. On a du pain. 69, quand il va revenir, ça va être encore plus plein. Ok. Donc, ensuite, il faut qu'on crée nos routes. Ah, j'ai une petite idée avec la butte qu'on a ici là. Non. On monte. Non, mais justement, arrête. Tes bêtises là, tu dis. Voilà. Et là, je passerai bien au-dessus comme ça. Soit avec un petit pont comme. Non, mais en droit. Les deux. Un peu. Ouais, non. Parce que là, non. Ça non plus. Et là, en soi, pourquoi pas. Par contre, terraforming. Ah oui. Ouais, c'est un peu. C'est pas trop mal. Je pense qu'on pourra pas vraiment faire mieux. Hop, on terraforme ici. Ok. Donc maintenant, on doit relier notre route. Je pense en ligne droite, là, ça m'énerve pas trop. Ouais, non, en fait, on va descendre. Hop, virage là. Pouf! Non, c'est pas pertinent le tunnel, pas du tout. On va même la faire serrer encore un peu plus comme ça là. Ok. Et là, on peut faire venir rejoindre ça ici. Là, je mettrais bien ça comme ça. Bâtiment cargo, enfin un bâtiment de fret quoi. Un là. Un là, pourquoi pas. Au bout, c'est bien. Ensuite, on en met un ici. Et on en met un autre là. Parfait. Donc on crée nos lignes, une nouvelle ligne entre ici et ici. Donc c'est camion pétrole. On a dit on va mettre Yutz. Ouais, Yutz. 1. Nouvelle ligne. Camion pétrole. Yutz. Deux. Par contre, je vais changer leur couleur. Hop. Au pif. Non, au pif, j'ai dit. Ah ! Voilà, un rose et un bleu. Nouvelle ligne. Pour le raffiner, on va mettre en vert. Camion raffiné Yutz. Pourquoi je m'arrête à chaque fois. Voilà, camion raffiné Yutz, c'est tout. Et après, nouvelle ligne. Notre embranchement. On dit train fret. Train fret carburant. On est à Périgueux, c'est ça hein. Je pense pas comme la dernière fois. On va rechanger de couleur encore. On a quoi comme couleur là? Et donc on ajoute une gare ici.
clique en les couleurs. C'est un de ces mélanges. Ouais, ça me va bien, ça. Ça me va bien. Youth, c'est ce que j'avais mis. Moi, j'ai pas relié ça encore. Pouf. J'ai pas mis de. Ah, monsieur, ça c'est bien ça. Hop, pour le carburant. 8. Pour le 1. J'ai mis le 1. 8. On peut changer de couleur ou pas? Oh non, pas comme ça. On peut les mettre en noir carrément. Pour le 2. Vu que la distance est moins longue, on va en mettre 6. Pour le raffiné. Ça me va bien, moi. Donc le train, là, il est reparti avec son pain. Où est-il? Il rentre déjà? Avec 102. Ouais, c'est bien. Bah, franchement, on a vraiment quelque chose de pas trop mal, là. On aura fait pas mal de fret de ce côté de la map. Ils ont 115 en stock et ça va, les camions sont à peu près répartis, on va dire. Et donc là, on attend plus que le pétrole. Sympa ce petit passage, j'aime bien. C'est cool. Par contre, il faudrait peut-être qu'on mette un train, quoi. on disait diesel. Est-ce qu'on aura pas des nouvelles de diesel? Ah si, on est classe 68. 2800 de puissance. Comparé au reste, on a beaucoup plus de patates quand même. Et vu qu'on a déjà mis de la 75 000, bah, je mettrais bien un petit peu autre chose. Donc ouais, je mettrais bien ça. Toute la même puissance. Allez, on va mettre un UM quand même. Pour avoir un peu plus de patates. Un truc, c'est quoi la plus haute vitesse? Je sais pas s'il y en a qui... Oh, on a des TA Liquid Tanker, ils sont énormes. Et ils prennent 50. On va prendre le Unbranded, hein. Capacité de 500 le train, quand même. Allez, train fret, c'est quoi? C'est carburant périlleux. Oh là là, oh les tankers, ils sont énormes. Donc notre vitesse max sera un train de fret à 160 km/h. Franchement, j'ai encore jamais vu ça. Mais là, tout devient possible. Là, c'est à 266 et là, c'est à 10 et je sais pas pourquoi. Pourquoi ça vient pas autant que ici, quoi. Mais pourquoi ils passent tous par là? Ah, c'est beau ça, c'est ça que je voulais voir aussi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Toutes les fougères. En soi, c'est pas mal. Ça fait de l'attraction en ville. En soi, c'est sympathique. Puis du coup, on va suivre la fin du trajet. Je trouve ça bien sympa en ville. S'il y avait juste un chouï moins d'arbres, ça serait encore mieux. Mais du coup, là, on est quand même pas trop mal. Hop, la petite montée, le PM qui se ferme pour nous, c'est plus gentil. Et l'arrivée à quai. Oh, franchement, pas mal. 86 de pain. Ok, bon, on est pas trop mal. Là, on a le pétrole qui va commencer à venir. Puis
ça bouchonne au niveau des camions aussi là. Faudrait qu'il y en ait qui fassent demi-tour là, parce qu'ils sont tous au même endroit. Et c'est pas malin. Demi-tour, demi-tour. Et là toi aussi tu tournes, voilà. Qu'ils soient pas tous au même endroit quoi, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Et toi fais demi-tour. Sinon les camions ils sont tous au même endroit, c'est du grand n'importe quoi quoi. À toi fais demi-tour aussi. Hop, terraforming. Et je pense qu'on aura pas mal avancé. Et donc notre train de pétrole qui est parti là, hein, je crois bien. Ouais, il est là. Ça beau quoi. On verra si on les remplace, donc pour l'instant on va les laisser. C'est pas fou quoi. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon là ça a commencé la prod, parce que ça commence à amener le pétrole je pense. Ouais ça commence à amener le pétrole. Ouais ça me perturbe trop, ça me perturbe trop. On va changer le... On va changer les machines. Elles font un bruit pas beau du tout. Celle-là, là. Les classes 67, pour changer un peu. Allez, on va mettre une comme ça et une comme ça. On va remettre les mêmes bugs, parce que je les trouve vachement stylés. Oui, je préfère. Ça a rien à voir. Je crois que j'étais en mode. Ouais, le. Non, mais en fait, c'est du fret. Croisement de fret de ce côté-là. Bon, on est à 33 minutes. On va voir comment se porte notre. Notre endroit ici, là, si ça va commencer à prod. Nos camions commencent à arriver, là. Toi fais demi-tour là, vous êtes tous au même endroit sur la ligne, ça c'est ouf par contre ça. Toi aussi demi-tour. Mais je pense que ça va marcher pas mal. On a un côté bien industrialisé ici. On va y faire un tour de... Ah, on aura un PGV aussi qui roule bien. Bon, ça commence à prendre quelques personnes, c'est pas encore ça, mais bon. C'est pas encore ça. Ensuite, nos 40-20 ici. 40-20. On a dit qu'on se faisait un bus aussi à Cagnes. Et Nantes qui grandit bien. Qui grandit bien, qui mériterait peut-être, je pense, une deuxième ligne de bus. À moins que ça. Au moins que ça. Ouais, ça dessert quand même pas mal. La deuxième ligne de bus va tordre un petit peu. Là où serait pertinent une ligne de bus... à Compiègne, peut-être. On va se la faire, justement, la ligne de bus, par ici, là. On va la commencer ici, chez les travailleurs du pétrole. Ok. Ensuite... Voilà. Devant la gare. Ici. Là.
Parce que Compiègne est quand même une grande ville. Elle a grandi pas mal. Hein. Ça pourrait être le même arrêt. Et pourquoi ça veut pas me faire là, hein? Quelle est la question, hein? Comment on va le faire là? Toi, tu sautes. Hop. Pouf. Un par là. Un par là. Et le terminus ici. Du coup, on a une ligne de bus à Compiègne. On va mettre le dépôt juste à côté. Voilà. Alors, nouvelle ligne entre eux. Hop. Hop, on va la mettre rouge ou rose, voilà, comme ça on la voit. Bauxite, 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 bauxite. Quel est le but? Pourquoi tu ne voudrais pas passer par là, là? On va mettre un point de passage. J'aime pas mettre des points de passage. Non, de ce côté-là. Après le 4, tu passes là. Voilà. Et donc on a fini, donc c'est le bus Compiègne. Hop. 36 minutes d'épisode. On est passé de 35 à 40. Oh, mais on n'a pas énormément de bus en fait. J'ai pas mis un bus à Mulhouse. Ah non, c'est un tram à Mulhouse, c'est vrai. Donc, Compiègne. Ok, c'est fait, on n'a plus qu'à mettre des bus. Donc, j'ai pris des nouveaux bus aussi, j'ai des nouveaux bus. Les Citaro. J'ai, voilà, ceux-là. Sinon on peut se mettre ah, chevaux. D'accord, ok. Type de moteur chevaux. Moi je pense qu'on va se mettre celui-là, je vois pas la différence, mais ouais, tranquille. Non, c'est pas grave, allez hop. J'en ai pris combien? 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà, voilà. C'est parti. Alors comment se porte notre train de bois ici là? Quoi, pardon? Ah! Ah d'accord. Le train de bois, vite, s'il te plaît, cours. Ah, j'espère que ça marche bien les outils ici, hein. 145, mais faut aller chercher le bois là, vite. Allez, 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 allez. On y va. Ah ouais, mais j'avais pas fait gaffe au bois là. Bon, est-ce que ça s'est lancé là, notre train de pétrole? Par ici là. Est-ce que ça commence à produire un peu? Ouais, il est où notre train? Où est notre train de pétrole? Il est là. Est-ce qu'il a emmené déjà? 28. Ok, bah ça commence à se lancer gentiment. Donc on va se laisser là pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.